Imaginez le plaisir que j'ai en avril 1981, année du divorce de mes parents. Oui, je peux aller voir les films que je veux, quand je veux, et bordel, j'en bouffe du film avec des années de frustration à rattraper. Nous avons de la visite. Nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue dans la spatiosphère de la planète Akir. Je fonce donc voir ce mercenaire de l'espace puisque c'est un film de science-fiction sur la même histoire que deux de mes films préférés vus à la télévision jeune, Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa et Les 7 mercenaires de John Sturges. Basé sur un scénario de John Sayles, connu pour le Piranha et le Hurlement de Joe Dante ou Lone Star réalisé par ses soins, aidé par Anne Dyer et reprenant les histoires des deux films de mercenaires samouraïs avec tous les stéréotypes du Star Wars de George Lucas. Sador et ses sbires mutants ridicules veulent conquérir le cosmos ou toutes les galaxies et leurs planètes, et c'est à se demander comment ils y arrivent avec cette armée de bras cassés. Pourquoi tous mes mutants n'ont-ils pas l'intelligence des élites ? Vous ne pouvez pas espérer que nous nous élevions jusqu'à votre niveau, commandant. Mais ces derniers ont une étoile noire, une arme terrifiante, un anéantisseur interstellaire qui peut tout désintégrer. Sachez que je suis Sador, le chef des Malmori, et que je viens avec mes troupes non pas en visiteur mais en conquérant. L'histoire est simple, les mercenaires, comme dans les deux films avant eux, vont se battre et mourir pour Akir, et la planète sera bien sûr sauvée dans une explosion vertigineuse vu les moyens engagés. Des effets et une direction artistique malgré le peu de budget qui calme à l'époque grâce à un seul homme, James Cameron. Son premier court-métrage, Xenogenesis, est financé par un consortium de dentistes. Et il va officier comme réalisateur, producteur, co-scénariste, monteur, directeur de la photographie, maquettiste et superviseur des effets spéciaux sur celui-ci. Cette expérience lui permet de se faire remarquer en 1980 par Roger Corman qui va l'engager dans sa compagnie New World Pictures. James Cameron travaille alors principalement sur les effets spéciaux avant d'être nommé directeur artistique et même directeur de la photographie, assistant réalisateur mais en loose day, sur Les Mercenaires de l'espace, puis directeur de la photographie et réalisateur de deuxième équipe sur La Galaxie de la Terreur. Il travaille également aux effets spéciaux de New York 1997 de John Carpenter. Dans le film, les effets restent aujourd'hui très datés mais convenables, aidés qu'ils sont par la musique et tout ce qui se passe dans l'espace est franchement agréable à regarder. Les matte paintings de la cité, eux, sont bien moins convaincants, par contre, et même, on peut le dire, ratés. On peut se demander qui a réalisé le film en réel, vu la suite de la carrière de Jimmy T. Murakami, et Cameron apprendra tellement sur ce film qu'il se sentira prêt à voler de ses propres ailes. Bill Paxton, tout jeune et pas encore acteur, sera charpentier sur le film. Une production Roger Corman est de toute façon signée petit budget et travail d'artisan, dont beaucoup de ses films resteront comme de petits classiques, de la chute de la maison Usher au monstre de la mer, de la course à la mort de l'an 2000 à Piranha, de mutants androïdes ou de Chud au démon du maïs, et j'en passe plein d'autres. Une carrière diversifiée et juteuse avec parfois des réalisations soignées malgré les temps de tournage record et le peu d'argent. Il aura fait découvrir de nombreux réalisateurs et acteurs et va avec ce film monter sa propre boîte d'effets spéciaux. Les Mercenaires de l'espace est sa production la plus coûteuse chez New World Pictures où les budgets étaient entre 100 000 et 200 000 dollars pour passer à bien plus ici. Reste que cet entre-deux, Star Wars pour l'action et les méchants et Star Trek pour les personnages venant de plusieurs univers est présenté assez vite et c'est une histoire que Corman assume pleinement en tant que remake et dont il participera au script. Plusieurs vaisseaux du film seront à nouveau utilisés d'ailleurs dans ses autres productions et Cameron et son équipe nous donneront une bataille finale de plus de 40 minutes. 2 millions de dollars de budget, ça semble peu, mais chez Corman, c'est énorme. Le film se remboursera en un week-end aux États-Unis et les ventes en vidéo qui cartonnent pour la location. L'essentiel du budget va passer dans les salaires de George Peppard et de Robert Vaughn, assez étonnamment et pas aux effets. Rien de moins, hurrah!
J'ai une collection de westerns digne d'une cinémathèque. Nous avons besoin de soldats d'expérience. Voulez-vous combattre avec nous? Hein? Un film porté donc sur les épaules de gueules de cinéma confirmé avec un George Pépard en tête. Oui, le Hannibal Smith de l'agence touriste, ici en cow-boy de l'espace, pas d'autre nom, qui la joue cool, pas trop excité, mais dont le charme agit tranquillement. Mignonne à croquer. Un vrai routier de l'espace qui a l'air de s'en branler de ce qui arrive, un vrai stéréotype du camionneur américain. Son vaisseau stellaire est une ode au western, un hommage aux mercenaires de Sturge. Il est une sorte de Steve McQueen du film, mais alcoolique. Et l'acteur, avec sa gouaille habituelle, nous compose un personnage comme il sait le faire, amusant, mais jamais bouffon, et à l'humour dosé comme il faut, mais sans jamais en branler une. Tu n'as jamais vu de western? Alors tu vas en voir un. Nous allons te montrer la charge fantastique. Il est le seul personnage venant de la Terre et deviendra bon ami avec Chad le héros. George Pépard est ultra connu pour ses nombreux rôles cultes comme dans Diamant sur canapé de Black Edwards aux côtés d'Audrey Hepburn. Je suis parti, puis je suis revenu. Il n'y a aucune planète de la galaxie où ma tête ne soit pas mise à prix. Robert Vaughn de mon préféré par sa tenue et son set contrôle sur le film, bon... très contrôle quand même, hein, et Gelt toujours doublé par le grand Claude Joseph, sa voix habituelle. C'est le seul acteur qui vient d'un des films dont est tiré le film, Les Sept Mercenaires, où il y était le jeune Lee et dans lequel il débutait. Je vis comme une bête traquée, dos au mur, sans un instant de répit. Et je n'ai pour toute nourriture que du serpent. Lui est un vrai mercenaire, hein, un hors-la-loi du cosmos, un tueur à gages qui est recherché dans toute la galaxie. Par cet état de fait, il vit dans un isolement le plus complet, malgré sa richesse, ce qui le rend d'autant plus attachant sur une planète isolée, abandonnée comme il se doit. Il va accepter le job pour vivre dans un endroit sûr, entouré de gens dont il a besoin socialement, et demande juste des repas à foison. C'est pourquoi ton offre me semble attirante et acceptable. Un refuge et des repas de choix. Rien de plus, rien de moins, ce qui le rend d'autant plus sympathique, malgré le jeu plutôt monolithique de l'acteur, plus souriant et charmeur d'habitude, mais qu'il est plaisant de le voir dans un rôle différent ici. L'homme est fatigué, froid, calculateur et surtout sans pitié, mais malheureusement l'un des premiers à tomber sous les coups de Sador, alors qu'assez peu exploité au final, ce qui est vraiment une erreur, puisqu'il ne pourra jamais vraiment démontrer ce qu'il fait de mieux, et que son histoire raconte ou ne raconte pas, il est soi-disant l'un des meilleurs tireurs de ce monde. Les tirs du vaisseau de Gates sont mixés d'après le bruit du tir du 44 Magnum de l'inspecteur Harry, mais ça faut le savoir parce que ça ne s'entend pas. Je mise sur ta victoire. Vaughn est connu pour son rôle de Napoléon Solo dans la série Les Agents Très Spéciaux, Harry Rule dans Poigne de Fer et Séduction, le Général Hunt dans l'Agence Touriste, et jouera dans de grands films comme Le Bullet de Peter Yates, La Tour Infernale de John Guillermin, Superman 3 de Richard Lester ou Le Sans-Issue en méchant dans le film d'Harley Cochlis. Tu es un grand artiste, Napoléon. Merci, Seigneur. Un grand artiste. John Saxon est donc le Dark Vador du film, Sador, infâme conquérant spatial, mais flanqué d'une armée de mutants complètement incompétents que c'en est risible. Comme à son habitude, il est absolument convaincant en méchant, sans aucun scrupule, avec un maquillage réussi, et en plus d'en faire un personnage un peu absurde, ce qui change des vilains habituels, avec des accès de colère toujours saisissants, quand on lui résiste, où la déraison est reine, et sa fin plus que prévisible vu ce qu'il a autour de lui. Sador est éternel! Il est le Calvera des sept mercenaires de Sturges, en quelque sorte. John Saxon a une filmographie de fou et a joué avec les plus grands réalisateurs dans des films comme Jockey de John Sturges, Opération Dragon de Robert Close face à Bruce Lee, Ténèbres de Dario Argento, Les Griffes de la Nuit, bien sûr, de Wes Craven, et jouera dans de nombreuses séries télévisées, et l'on se rappelle tous de son rôle de vampire dans l'épisode de Starsky et Hutch, Le Vampire. Mâles et femelles ensemble. Rien que de sexe. Sur Balandic, il en faut trois. Richard Thomas est le héros du film, hein, le Luke Skywalker du pauvre en quelque sorte, fermier lui aussi, Akirian Shad, prénom donné en hommage à Akira Kurosawa et dont les habitants de sa planète sont les Akira, plus de doute permis, et il est joué approximativement par l'acteur. Il est choisi par son peuple pour trouver, dénicher les mercenaires afin de les aider face à l'invasion de Sador. L'acteur sera connu pour la série La Famille des Collines de 71 à 78 et c'est surtout son rôle de Bill Denbrough dans le Ça, il est revenu, téléfilm de Tommy Lee Wallace d'après Stephen King qui va connaître la gloire. Je manque de certaines informations sur la copulation. Votre espèce connaît le baiser? Ah oui.
Darlan Frigel et Nanelia, spécialisée des ordinateurs, sera la jeune femme qui va être l'amour de Chad dans le film. On a vu l'actrice dans Les yeux de Laura Mars d'Erwin Kershner, Police Fédérale Los Angeles de William Friedkin ou Haute Sécurité de John Flynn dont j'ai parlé. Morgan Woodward est caïman, homme lézard au très bon maquillage, qui veut lui se venger de Sador qui a éliminé son espèce. Vous êtes sans cœur! Vous êtes comme ce monstre de Sador! Sador? Sador, chef des Malmori? Très peu de dialogue et très peu de scènes, mais quand il est là, son maquillage fait le taf. Je pourrais faire des merveilles pour ce garçon. Je rechargerai ses capaciteurs, j'activerai ses sensitors. En fantasme ultime et très sexué, nous avons Santa Exmin, interprétée et fortement peu habillée par Sybille Danning, aux protubérances galactiques évidentes. Les Valkyries sont des guerrières valeureuses. Encore très jeune, on nous oblige à participer à de grandes batailles pour prouver notre courage. C'est une Valkyrie de l'espace, elle appartient à un monde dans lequel les femmes font les mêmes tâches que les hommes, avec la même énergie et la même force. Elle pilote un engin sophistiqué et très rapide et reste sans équivoque très féminine, ce qui ne gâche rien. Un personnage féminin fort qui régale les yeux, que demander d'autre ? Nous ne sommes qu'apparence, nous ne sommes qu'image. Image d'un être unique, reproduit des centaines de milliers de fois. En petit rôle, nous avons aussi Earl Bone, en Astur 1, qui deviendra plus tard le fameux Dr. Cyberman dans les trois premiers Terminator, et fait la voix des clones. Il faut avoir recours à des créatures de violence. Engageons alors des mercenaires. Et Jeff Corey en Z, le corsaire qui jouera dans un nombre incroyable de films, notamment des westerns, et que l'on appréciera en Cracus dans L'épée sauvage d'Albert Pune, Conan le destructeur de Richard Fleischer en Grand Vizir. Il est ici un ancien grand combattant d'Akir et donnera son vaisseau qu'il appelle Jeune Homme en version française, alors que c'est une vieille fille en anglais et que sa voix est féminine dans le vaisseau. A noter une très bonne version française quand même sur l'ensemble des voix avec de belles surprises pour les connaisseurs. Battle Beyond the Star, titre anglais, marque les débuts d'un tout jeune compositeur, James Horner, 27 ans, qui avait déjà travaillé pour Corman sur Les Monstres de la Mer, dont la musique l'orgue grandement du côté des Dents de la Mer de John Williams. Horner se voit offrir l'occasion d'écrire une grande partition symphonique mélangeant action et aventure avec un soupçon d'héroïsme typiquement hollywoodien. Évidemment, le budget du film étant ce qu'il est, James Horner a dû se contenter d'un petit orchestre sans grande envergure. On raconte même que les sessions d'enregistrement de la partition de Battle Beyond the Star a été assez pénible pour le jeune compositeur qui avait alors un mal fou à s'imposer auprès des musiciens. Quelques défauts restent même à l'enregistrement de la musique, surtout sur le pupitre des trompettes, mais cela s'écoute avec le plus grand bonheur, d'autant qu'après plusieurs bootlegs, dont des sessions au son assez dégueulasse, Intrada vient de nous gratifier d'une version enfin remasterisée et comportant une grande partie du score. Oui, score ça se dit chez les fans de musique de film, pour ceux que ça emmerde. Trois thèmes principaux composent la thématique de la musique, une mélodie héroïque et pleine de bravoure pour les mercenaires de l'espace, un motif de trois notes associé aux sbires de Sador et un love theme plus traditionnel associé à Chad et Nanelia. Change de direction, Kalo! Trompette majestueuse mais mal jouée, comme il saura nous le rendre sur Wolfen, Star Trek 2 ou Krull, Horner emprunte encore une fois ici à Jerry Goldsmith des passages de Patton et surtout le Star Trek, le film avec l'utilisation du blaster beam de Craig Huxley, instrument que Jerry Goldsmith avait fait fabriquer pour les besoins de sa musique. Horner synthétise tous ses styles à la demande de la production et élabore une partition orchestrale classique très agréable pour ce film. Le thème des méchants vient du Alexandre Nevsky de Sergei Prokofiev, compositeur de référence chez James Horner et que ce dernier va citer continuellement tout au long de sa carrière. De même pour la romance, nous avons hautbois soliste sur fond de cordes, harpe et bois, magnifiquement orchestré et l'action revient vite dans des morceaux de haute volée même si les trompettes déconnent encore, surtout sur le morceau Battle Begins. «
Nous sommes sur les débuts d'un compositeur qui retrouvera James Cameron aussi sur ce film, hein, pour Titanic, dont il obtiendra l'Oscar, et Avatar, malgré des débuts compliqués sur sa partition d'Aliens qu'il a dû composer en 15 jours. Le final n'est pas en reste en héroïsme musical, et l'effort que James Horner nous donne reste parmi ce que l'on préfère chez lui, sa première partie professionnelle, limitée certes, mais diablement originale et hautement écoutable. Sa qualité d'écriture étonne de par sa jeunesse, même s'il s'inspire grandement de Jerry Goldsmith, et ses musiques sont plus complexes qu'elles n'y paraissent au premier abord, comme son formidable Wolfen le démontrera. Une musique puissante malgré tous les défauts d'orchestre pardonnables, surtout donc sur les trompettes qui semblent incapables de suivre les notes composées. Une jeune musique qui en dit long sur l'avenir d'un compositeur qui deviendra grand. Film qui, à l'époque, rappelez-vous que je suis jeune quand je vais le voir, que je trouve ma foi très divertissant. Pour le principe, il faut avouer que c'est principalement le casting qui fait que l'on a l'intérêt pour le film, avec des effets plus ou moins réussis et une musique aux petits oignons. Un film qui, au final, et malgré les réserves que l'on émettra obligatoirement aujourd'hui, il fallait vraiment le voir à l'époque. Les mercenaires de l'espace tenaient ses promesses sans le moindre budget, et avouons-le, si on pardonne le film les Barbarians à la Sword and Sorcery, on peut faire de même pour ce film sur la science-fiction, non ? Nastur est touché, je répète, Nastur est touché. Si vous répondez non, c'est oui quand même. Le but visé est atteint, distraire avec un spectacle qui est ce qu'il est, à la limite du parodique parfois, mais ça marche par son humour, son second degré, que les gens ne captent plus aujourd'hui, et des références qui font mouche. Malgré cela, le réalisateur et Roger Corman vont décimer tous nos héros, ou presque, hein, c'est après tout une guerre et donc une tragédie. Bref, le space opéra est à la mode, l'Empire contre-attaque sortira peu de temps avant, il était normal que Roger Corman s'engouffre dedans. Pour moi, en 1980, le film est visuellement impressionnant, évidemment, les décors et l'univers sci-fi créé par le réalisateur s'avère être indéniablement kitsch et rétro aujourd'hui, pourtant encore la marque des séries B de science-fiction des 70s, et pourtant, Corman nous livre ici l'un de ses films les plus coûteux, une bonne partie du budget ayant servi à payer les quelques stars tels que Robert Vaughn ou George Peppard. Sador, fils d'un bâtard de bâtard! Je vais t'avoir, ici le cow-boy de l'espace, venu de la planète Terre. Le look des différents mercenaires s'avère être quand même lui très réussi, même si le scénario n'apporte rien de neuf par rapport au film dont il s'inspire. C'est pour moi un 4 sur 6 pour l'effort et la capacité qu'auraient eu les techniciens, enfin surtout James Cameron et la belle musique de James Horner, enveloppés d'un casting excellent, ou presque, et d'une baston finale de plus de 40 minutes. Bref, à l'époque, on en a eu pour notre pognon, et c'était pas 14 euros la place. Voilà, je voulais parler de ce petit film qui, moi, m'avait charmé. J'adorais l'affiche, je l'avais en poster, j'étais comme un fou, je la regardais tout le temps. C'était de la science-fiction, on en avait peu, en tout cas de ce niveau-là. Les effets marchent encore, sans déconner en plus. Hein. Si vous regardez, c'est souvent les mêmes plans qui reviennent, mais ça fonctionne, et moi, j'aime beaucoup. Il me tarde de lire vos commentaires, j'espère que vous avez vu le film. Si vous ne l'avez pas vu, ben, vous le découvrirez peut-être. Vous avez une version, bien sûr, extrêmement plus longue sur Patreon, parce que je me suis lâché, je voulais faire que les scènes soient plus longues. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et d'activer la petite cloche, et je vous dis à bientôt pour du très lourd. Bye bye. Nos amis sont désormais de l'âme d'Aki. Et ils seront à jamais avec nous.